C'est une installation qui est composée de deux parties. Il y a une sculpture automatisée et un flux vidéo en fait en direct. La partie automatisée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit, elle déconstruit un paysage urbain. Et ce paysage est inspiré en fait de paysages réels qui sont les Ghost Cities ou cités fantômes en français. Pour reprendre aussi un terme qu'a utilisé le philosophe et écrivain Bruce Bégout qui m'intéresse beaucoup, c'est comme des ruines instantanées en fait, dans le principe où ce sont des bâtiments, des quartiers ou même parfois des villes entières en fait, qui sont construits et qui sont abandonnés au moment même de leur édification, c'est-à-dire qu'elles n'atteignent jamais le moment final de l'édifice. Pour moi, ça lui donne une nature qui est presque artistique en fait. On est dans presque une sculpture qui est vouée voilà, à s'effondrer à un moment donné. Sa fragilité aussi, ça ajoute quelque chose. L'automate en fait est programmé pour construire, attraper les pièces et les reposer. La machine n'a pas une forme propre d'intelligence. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'est qu'elle est capable de construire et de déconstruire les choses, mais que si une erreur se produit en fait et qu'elle déplace une pièce au mauvais endroit, par exemple, elle peut créer une forme d'erreur en cascade. Et justement, la fragilité de cette ville-là s'exprime aussi par l'automate et sa façon de la gérer. Voilà. Dans cette idée aussi de l'entre-deux, au niveau de la fabrication même des pièces de construction en fait, de la ville, j'ai voulu utiliser du béton et il y a eu tout un travail d'expérimentation qui a été assez long avec ce matériau-là, parce que ce n'est pas un matériau que j'avais utilisé auparavant. Et en fait, pour réussir à obtenir des pièces qui avaient une certaine finesse, de 3 à 5 mm d'épaisseur, il y a eu énormément de déchets aussi, de rebuts de production. Et pour moi, c'était important d'être aussi dans un espèce de réemploi des chutes en fait, de la production de l'installation. Et c'est pour ça que dans la sculpture elle-même, on a deux niveaux. On a un niveau où la ville se construit, se déconstruit. Et en bas, on a un espèce d'amoncellement en fait, des déchets de la production qui ont cet aspect un peu ruinesque ou presque topologique, topographique d'une espèce de montagne ou d'un tumulus. L'hétérotopie, ouais, c'est un concept qui m'est assez cher parce que dans la définition en fait, de Foucault, il y a quelque chose d'assez enfantin. Une forme d'espace des possibles, en fait, de projection d'un peu du fantasme de chaque personne. C'est-à-dire que l'hétérotopie, j'ai l'impression que c'est une projection qui est vraiment personnelle, dans le sens où on peut, à partir d'un espace qui est complètement déserté ou qui peut paraître, comment dire, inintéressant ou désolé ou abandonné, genre réussir à projeter en fait son propre monde de potentialité sur ce genre d'espace-là. Et je pense que quand il parlait d'hétérotopologues, de gens qui cherchent ces espaces-là, c'est des gens qui étaient attirés par voilà, cette dimension fantasmagorique de ces espaces. En hommage à un architecte qui s'appelle Louis-Étienne Boulay, qui avait créé toute une série d'édifices imaginaires, en fait, qui étaient des espèces de constructions gigantesques, un peu utopiques. Dans cette idée-là, moi, j'ai beaucoup apprécié en fait, travailler sur le premier cénotaphe. C'est un monument mémoriel. J'aimerais réussir à décliner cette construction-là dans un ensemble de sculptures cinétiques, voilà, qui fonctionnerait toujours un peu sur la même base, avec des systèmes automatisés, un peu des cycles de production, de construction, de déconstruction. Il y a cette notion avec le polystyrène, quelque chose qui m'intéressait dans le fait que ce soit des éléments qui enclosent en fait des composants électroniques, qui les protègent. Et du coup, la forme de ces éléments-là en fait est le négatif de ces composants électroniques. Mais on a des formes qui sont presque architecturales, avec des décrochés, des formes un peu d'architecture brutaliste. J'habitais à Ivry-sur-Seine, à côté des étoiles de béton en fait de Jean Renaudie, qui sont des architectures extrêmement brutal, mais au final que j'ai appris à apprécier, qui sont des espèces de monolithes de béton pointus en forme d'étoile. Et au final, j'ai appris à apprécier les deux côtés, en fait, un peu les deux extrêmes pour moi de ce spectre architectural, c'est-à-dire d'un côté des formes naturelles très oniriques et de l'autre des formes presque brutalistes en béton et des choses comme ça. Et un peu cette rencontre des extrêmes, de l'onirique et du brutal, c'est ce qui m'a aussi amené à aimer les espaces désolés ou ruinés, en fait. J'ai été en Chine en fait pendant 1 mois et 10 jours pour observer une forme d'architecture qui s'appelle la duplitecture, qui est en fait une contrefaçon à échelle réelle d'architectures qui sont refaites sur le territoire chinois. Et j'ai pu observer différents monuments français en l'occurrence. J'ai vu une tour Eiffel de banlieue résidentielle, un château maison Lafitte transformé en club pour riches excentriques, un pont Alexandre III refait dans le centre d'une grande ville chinoise.
Et au final, j'en suis venu à observer le comportement des gens, des visiteurs, des habitants autour de ces monuments-là, et de les enregistrer à leur insu, et de faire un collage en fait à partir d'eux. C'est-à-dire que dans le fil de la progression de la vidéo, il y a un collage en mouvement qui s'appelle une technique qui s'appelle la rotoscopie, où les personnages sont isolés du fond. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on est capable de faire, en fait, c'est de les faire rentrer quand on veut et de les dupliquer aussi dans des chaînes de personnages, ce qu'on voit à l'image, en fait. Et ce qui est intéressant pour moi dans ce projet-là, c'est qu'on part du vide pour arriver à la saturation, pour arriver au vide pour arriver à la saturation. Donc il y a ce rythme-là qui est artificialisé, mais on ne s'en rend pas compte au début. Petit à petit, ça monte et ça monte et ça monte. Et voilà, on est dans cette boucle infinie, en fait, d'un cycle de remplissage et de vidage. Actuellement, on est aussi dans une grosse période de transition. Je pense qu'on n'envisage pas exactement où on va par rapport aux nouvelles technologies, à Internet, à l'intelligence artificielle, à ce genre de choses-là. Et dans ces périodes de transition, il y a toujours un espèce de retour romantique à une forme antérieure. Et du coup, c'est pour ça que je m'intéresse aussi par les friches industrielles. Et j'ai envie de conserver en fait un point de vue romantique par rapport à cette dernière. Ouais.